Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu moins travaillée, un peu plus courte peut-être, et ce n'était normalement pas la vidéo prévue pour aujourd'hui. En fait, cette vidéo, ça fait un moment que je l'ai écrite et je la garde pour ce genre de moment où j'ai pas le temps d'en tourner une autre. Et là, entre des problèmes d'internet et des problèmes de caméra, j'ai pas eu le temps. Du coup, voilà, petite vidéo à la cool, mais après, il y a du lourd qui arrive dans les prochains mois. Donc aujourd'hui, vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont acheté des VPN. Mais aussi à des personnes qui hésitent à prendre un VPN, voilà, ça peut vous convaincre. Et enfin aux personnes qui juste veulent découvrir des séries comme ça quoi. Parce que la plupart sont quand même disponibles en France. En fait toutes, mais certains sont plus faciles à trouver que d'autres. Et oui, parce que dans cette vidéo, je vous avais conseillé, la meilleure manière de voir Doctor Who, c'est de prendre un VPN et de le regarder directement sur le site de la BBC. Et bien pour ceux qui ont sauté le pas ou pour ceux qui hésitent encore, je vais vous conseiller d'autres séries qui sont sur ce même site. Ben oui, autant rentabiliser le VPN et ne pas que regarder Doctor Who. Donc ces séries sont toutes britanniques sauf une. Mais elle est vraiment bien, donc je vais quand même vous la conseiller aujourd'hui. C'est parti, première série. Killing Eve est une série de 4 saisons qui raconte... Alors c'est assez compliqué à expliquer sans spoil. Globalement, c'est l'histoire d'une équipe qui enquête sur une tueuse. Mais dit comme ça, on dirait vraiment juste une série d'enquête alors que ça n'a rien à voir. La série est trop bien. De l'humour très cynique à l'anglaise, très très bon. La série est aussi très belle, hein, niveau costume, niveau décor, niveau image, niveau écran titre. Non, la série est magnifique. Les acteurs sont incroyables, je peux pas tous les citer ici, j'ai plus le temps de faire du montage. Mais je vous conseille très fortement d'aller voir les acteurs, vous reconnaîtrez du monde. La série est un peu violente, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus exagéré. Enfin si, parfois c'est exagéré, mais ce n'est pas gratuit. L'histoire est vraiment bien, et la relation entre les deux personnages principaux est géniale. La saison 4 est peut-être un peu en dessous, et en a déçu plus d'un, c'est la dernière saison, donc... Bah forcément les fins de série ça déçoit souvent, et là je comprends pourquoi. Mais les 3 premières saisons sont des masterclass qui méritent d'être vues, quoi qu'il arrive. Et en plus la fin de la saison 3, vous pouvez la considérer comme une fin. Je vous conseille quand même la 4, parce que bah, vous pourriez aimer. Mais voilà, dites-vous que si vous regardez jusqu'à la 3, vous finissez pas sur un sentiment d'inachevé. La musique fait tout le charme de la série. C'est d'une justesse du début à la fin. Et c'est masterclass quoi. Donc voilà, c'est 4 saisons et en France c'est disponible sur Canal+, et du coup ben, en Angleterre sur BBC iPlayer. La deuxième série c'est Peaky Blinders, oui bon, qui ne connaît pas? Bah il y a quand même des gens qui connaissent pas, donc je vais quand même expliquer le principe de la série. On est tout simplement à Birmingham en 1920 et on va suivre un gang, les Peaky Blinders, et leur ascension et leur propagation dans tout l'Angleterre. Ouais, c'est vraiment des synopsis très synopsisés. Je survole vraiment pour pas spoiler. Peaky Blinders c'est juste incroyable. Les acteurs, les musiques, la classe tout simplement de la série, les décors, les costumes, tout est masterclass. En plus dans la musique on a tout aussi bien de la musique vraiment années 20 que du Arctic Monkeys, du Radiohead, enfin du rock quoi. Pour moi par contre la VO est obligatoire, parce que les accents et les acteurs sont juste incroyables en VO. Et puis voilà, qui peut se vanter d'être sorti des 6 saisons de Peaky Blinders sans jamais avoir essayé de faire l'accent ou juste les mimiques des acteurs? Donc c'est sur Netflix, il y a 6 saisons. La sixième n'est pas encore sur Netflix, même si elle sort, je pense, dans 2 jours, quand cette vidéo sort, enfin dans pas longtemps, je crois que c'est le 10 juin. Peut-être 5 jours, du coup, j'ai pas vérifié quand la vidéo sort et quand Peaky Blinders sort, mais ça doit être vers là. Mais si vous voulez voir la saison 6 bah, en avance, 5 jours en avance, bah, elle est déjà disponible sur BBC iPlayer, moi je l'ai vu, ça fait longtemps. Donc la série est finie, hein, en 6 saisons, mais il y aura un film pour conclure l'histoire. Troisième série, Heroes. Oui, c'est la série non-britannique de la sélection. Mais il y a quand même un rapport avec la chaîne, mais ça je vous le dis juste après. Bon, Heroes c'est un peu particulier, parce que c'est une série de 2004. Enfin, je sais pas si elle est sortie précisément en 2004. Mais c'est une série de cette époque-là, quoi, de l'âge d'or des séries. La même époque que Lost, Prison Break, Buffy contre les vampires, la ressortie de Doctor Who, du coup, en 2005. Enfin voilà, cette époque où les séries se sont vraiment démocratisées à la télé. Et aussi l'époque de la grève des scénaristes, dont a souffert pas mal des séries que je viens de citer. Notamment Heroes, du coup, qui en a beaucoup souffert. Mais donc voilà, la série est culte, mais elle est aussi culte pour descendre en qualité au fur et à mesure des saisons. Moi, je suis pas vraiment de cet avis, même si je suis d'accord avec tout le monde, la saison 1 reste la meilleure, un sans faute du début à la fin, c'est une masterclass, et c'est la plus culte. Mais je trouve qu'il y a des très bonnes idées dans toutes les saisons après, même Heroes Reborn, qui est une suite, mais fait vraiment longtemps après, avec certains acteurs qui reviennent, mais pas tous. Voilà, c'est une tentative de revival qui n'a pas du tout marché. Mais même ça, moi j'aime bien. Et je me rends compte que j'ai toujours pas dit le synopsis. Mais en fait, c'est très simple. Un jour, des personnes lambda, normales, qui se baladent dans la rue, ont des super pouvoirs.
Et ils deviennent jamais vraiment super-héros. C'est-à-dire, ils font des trucs de super-héros quand même. Il y en a, ils s'en servent pour faire le mal et certains essayent de les combattre. Mais c'est jamais comme les Avengers ou la Justice League. Ça reste des personnes lambda qui ont des super-pouvoirs. Et en plus, des pouvoirs assez originaux. Enfin, il y en a, c'est des classiques. Hein. Mais il y en a, c'est beaucoup moins vu. D'ailleurs, ce personnage, qui s'appelle Hiro Nakamura, a inspiré le nom d'artiste de Aya Nakamura et la chanson Hiro de Soprano. Et oui, quand il dit « Si j'avais le pouvoir de Hiro Nakamura », ben c'est lui. Donc si vous voulez savoir c'est quoi son pouvoir, pour pourquoi pas mieux comprendre la chanson, n'hésitez pas à regarder Heroes. Bon, et dernière info, le rapport avec la chaîne YouTube, c'est que dedans il y a Christopher Eccleston, le 9e Docteur. Il n'a pas un grand rôle, mais chacune de ses apparitions sont géniales. C'est un de mes persos préférés alors qu'il apparaît vraiment très peu dans la série. Je vous ai dit que j'étais fan du 9e Docteur ? Enfin voilà, 4 saisons plus Heroes Reborn. Mais Heroes Reborn n'est pas sur BBC iPlayer, je crois, donc là, on parlera vraiment que des 4 saisons. Et en France, c'est disponible nulle part. À part, du coup, en DVD. C'est ça qui est dommage. D'ailleurs, si les grands studios m'écoutent, hein, Disney, Universal, Warner, n'hésitez pas à faire un reboot de Heroes, ça pourrait être très cool. Mais faites-le bien, avec du budget, pas comme Heroes Reborn, que ça marche. Et d'ailleurs, un jour, je ferai une vidéo sur ma chaîne principale sur Heroes, c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner dans la description, là je sais pas où je le mets, mais il y aura le lien. Enfin voilà, on passe à la suite. Around the World in 80 Days, ou Le Tour du Monde en 80 jours en français, est une série sur le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, avec comme acteur... Qui a joué dedans déjà ? Bah évidemment que je sais, c'est David Tennant ! Bon, par contre il est pas du tout tout seul, mais il joue Phileas Fogg, donc celui qui doit faire le Tour du Monde en 80 jours. Il sera accompagné de Passepartout, avec un acteur français qui a un très bon accent anglais, et qui joue très bien, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, dont j'ai aussi oublié le nom, mais qui est aussi incroyable dans son rôle. Parce qu'en fait, c'est une série coproduite entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Europe, enfin voilà quoi, c'est une série très européenne. C'est une très bonne adaptation, qui change les trucs vraiment pas bien qu'il fallait changer, et qui garde tout ce qui est bien et qui fait vraiment l'âme du livre. C'est qu'une seule saison pour l'instant, a priori il y en aura une deuxième, ils vont continuer d'adapter les œuvres de Jules Verne, j'imagine. Et en Angleterre, évidemment, BBC, iPlayer, vous connaissez la chanson. Non mais vraiment, si j'ai parlé de David Tennant en tout premier, c'est parce qu'il est incroyable dans ce rôle. Son histoire est hyper touchante et bon, en termes d'acting, c'est David Tennant. Est-ce qu'il a quelque chose à prouver sur cette chaîne? Et j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne principale. Beaucoup d'autopromos aujourd'hui. Donc si vous voulez aller la voir pour avoir plus d'infos, notamment le nom des acteurs et actrices qui jouent avec David Tennant, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Dernière série, bon, Sherlock. Là aussi, on est sur de la masterclass culte. Mais la série étant sortie il y a pas mal de temps déjà, je me dis que de plus en plus de gens ne la connaissent pas. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, foncez prendre un VPN et foncez sur BBC iPlayer pour la regarder. C'est génial, la musique est géniale, les acteurs sont géniaux. Je me rends compte que j'ai même pas encore dit le synopsis, mais bon, c'est Sherlock quoi, il résout des enquêtes. À un détail près quand même, c'est dans notre époque. C'est un Sherlock revisité à notre époque. Enfin, notre époque, ça commence à dater un peu, les téléphones sont plus trop actuels. Voilà, c'est le début des années 2000, entre 2000 et 2010, je sais pas exactement la date. Mais globalement, c'est notre époque, quoi, par rapport au vrai Sherlock. Si vous êtes sur cette chaîne, j'imagine que vous connaissez Doctor Who. Eh bien, les créateurs de la série ne sont nul autre que Stephen Moffat et Mark Gatiss. Stephen Moffat, le showrunner, donc le scénariste de tout l'ère Matt Smith et Peter Capaldi, et Mark Gatiss, qui a scénarisé pas mal d'épisodes, dont certains devenus cultes parce que ils sont bien, et d'autres parce que ils le sont moins. Par contre, il est très bon en tant qu'acteur et il joue dans Sherlock. La série comporte pour l'instant 4 saisons, 2, seulement 3 épisodes par saison, à part une où il y a un épisode spécial Noël et un épisode spécial que j'ai pas encore vu vraiment à l'époque du Sherlock Holmes le vrai. Mais la série n'est pas finie, elle est juste en pause, notamment dû au planning chargé de Benedict Cumberbatch qui joue quand même Doctor Strange, et aussi du fait que Stephen Moffat et Mark Gatiss ont écrit Dracula pour Netflix, qui est aussi une très bonne série mais qui n'est pas sur BBC iPlayer, donc j'en parle pas dans cette vidéo. Mais ils avaient dit qu'après avoir fini Dracula, ils se pencheraient sur Sherlock. Ils ont fini Dracula, maintenant on va attendre un petit peu. Mais je le sens bien, on se rapproche de la saison 5 de Sherlock. C'est, je pense, la deuxième série britannique la plus connue et appréciée après Doctor Who. En France, elle était dispo sur Netflix, mais elle ne l'est plus. Du coup, j'imagine les DVD. Et si vous aimez vraiment la culture anglaise, je vous conseille aussi Sherlock, il y a quand même pas mal de références. On voit beaucoup, beaucoup Londres, sous tous les angles, donc c'est vraiment très cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, désolé, c'est pas celle-là normalement qui était prévue. Mais celle que j'avais prévue est... juste décalé à la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas annulée. Et puis il y a vraiment du lourd qui va arriver dans les prochains mois, restez connectés. D'ailleurs, en parlant de ça, suivez-moi sur Insta pour suivre ça en direct.
Si vous êtes fan de Doctor Who et de Londres, ça peut vous intéresser. Et mon Insta est juste dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo dans ce genre-là avec pourquoi pas que des séries britanniques ou que des séries en rapport avec Doctor Who, genre avec des acteurs par exemple, ou le même concept mais avec des films. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est là pour ça. En attendant, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo cette fois-ci bien sûr Doctor Who et joyeux jubilé à la reine d'Angleterre évidemment.